Et parmi ces métis-là, parmi ce peuple étranger, il y a plein que le peuple de Dieu avait accueilli, en fait. Et parmi, ils ont pris l'histoire des Noirs. Ils ont pris le rouleau des Noirs, le parchemin, le patrimoine. Ils ont modifié. Ils ont fait croire que ça venait d'eux. Ils ont changé les noms des lieux de naissance. Ils ont changé les couleurs des patriarches. Ils ont dit que ça émanait d'eux. Ils ont modifié les Écritures. Mais ceux qui sont réellement issus du peuple d'Israël n'ont pas besoin qu'on les enseigne quoi que ce soit. En esprit, ils le savent. Parce que quand je fais des vidéos, il y a plein de gens qui disent « Ah oui, mais ce que le frère dit, je savais déjà depuis, mais je pouvais en parler, je pouvais pas parler ça à quelqu'un parce que on allait me trouver bizarre. » Donc c'est comme si le frère venait me rappeler ce que je savais déjà. Oui, Paul de Tarse dit ça. Quand tu étais petit, tu connaissais déjà les Écritures. C'était déjà en toi. Donc ces faux juifs sont venus, ils ont modifié les Écritures. Ils ont modifié les lieux de naissance. Ils ont créé ce nom de JC. Là, avec d'autres peuples, au concile de Nicée, JC. On fait croire aux gens que c'est Dieu lui-même. Blasphème. Vous avez accepté d'hérésie. Et vous dites, ah, il est en train de régner JC, il va aller en enfer. En enfer, on ne souffre pas. L'enfer, c'est le séjour des morts. Somme 6:6. Vous pouvez vérifier. Bref, on en passe. Et c'est là où vous voyez l'état du monde. Parce que tout a été modifié. Tout a tellement été modifié que l'homme noir maintenant, celui qui vient de l'Afrique ancestrale, lui pense, on l'a fait croire en fait, que c'est lui qui est le gentil, c'est-à-dire celui qui est le païen. Et que les faux juifs qui sont en Palestine, que c'est eux le peuple élu. Vous voyez? Et qu'il faut prier pour eux, il faut les bénir. Comme ça, Dieu, le Dieu des juifs, va vous bénir. C'est pour ça que ces faux pasteurs-là, qui n'ont aucune connaissance, ils disent, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Christ m'a apparu, Christ m'a dit. Mais le Christ qui t'apparaît, il ne te dit pas que c'est toi, toi tu es sorti de l'olivier naturel, que tu es l'olivier naturel. Tu fais partie des branches naturelles. Il ne t'a pas dit ça. Ouais, des faux pasteurs qui viennent enseigner dans les assemblées. Le peuple de Dieu, c'est eux qui sont en Palestine. Et on vous fait croire que vous êtes des païens. Que vous ne savez rien, vous êtes comme des animaux, des singes, des bonobos, des chimpanzés. On est venu vous sauver avec l'évangile. C'est vous les fils naturels. C'est vous les fils naturels du peuple d'Israël. Vous avez oublié votre identité. Vous avez oublié d'où vous venez. Et vous croyez que c'est les autres qui sont le peuple de Dieu. Non! Les branches naturelles. L'olivier, il y a l'olivier sauvage et l'olivier franc. On va en parler.